Et salut tout le monde aujourd'hui, grosse rentrée de figurines, mais je ne suis pas seul pour les découvrir, alors je sais qu'il y a pas mal de Moïse dedans, mais je suis accompagné de... Adam Gamer. Donc Adam Gamer n'a pas pu s'empêcher, hein, il a vu déjà deux figurines, on vous les montre de suite. Alors, première figurine Funko Pop, alors on savait pas trop de quoi ça venait, hein, on savait pas. Animaux Fantastiques. On savait pas quand on les a eus. Oui. Voilà. Donc on a fait une petite recherche. Je vous dirai le prix que j'ai payé à la fin pour la totalité parce qu'il y a pas mal de choses. Donc petite figurine Funko Pop que j'ai prise. Je suis bien content de l'avoir pris parce que bah, c'est des Animaux Fantastiques 2, je crois. Non, celui-là, c'est le 2. Ça, c'est le 1. Ok, donc il vous a averti que la suivante. Celui-là, c'est mon préféré. Voilà, celui-ci, ça vient du 2. Voilà, donc sans la boîte, hein, juste la figurine Pop. Voilà. Donc on a eu ceci. Après, je vais vous dire franchement, la vidéo risque d'être un petit peu longue parce que. Il y a juste un énorme bac, oui, un énorme bac Lego à la base, hein. Rose, que j'avais pas d'ailleurs, qui est rempli de figurines. Il y a tout, oh, là il y a vraiment tout. Alors, on commence avec ceci. C'est mon préféré. Ben, on continue, on va dire, avec ceci. C'est ton préféré, mais comment ça va être ton préféré? Je veux dire Avenger. Mais t'as pas encore vu tout ce qu'il y a dans le bac. Donc là, on a du Thor. Si je me trompe pas, c'est du Kinder. Alors, c'est marqué Marvel, effectivement, 2014. T'as vu la taille du jouet, c'est mais... un maxi Kinder. Ouais, c'est pas marqué si c'est du Kinder, mais je pense que c'est du Kinder. Tu prends à ton tour ? On fait chacun son tour, vas-y, prends-en un. Vas-y. Le Joker, j'avais déjà vu. Le Joker, effectivement. Un Joker, mais bien particulier parce qu'il est tout mou, on va dire. Hein. On peut l'articuler, je pense qu'il y a un fil de fer à l'intérieur. Alors celui-là, il date de. 2016. 2019. En... Mattel, made in Vietnam. En Vietnam ? Voilà. Ouais, Vietnam avec la petite cape derrière, là, c'est rigolo. Je connaissais pas ce modèle. Dites-moi si vous connaissez, je sais pas du tout d'où ça vient, ni de quel dessin animé. Donc, à mon tour, je prends un truc de fille, hop! Ouais. On a une... Alors ça, c'est la Belle et la Bête, non? Et je pense que quand tu roules... Ah oui, quand elle avance avec sa... Ouais, c'est ça, c'est la Belle et la Bête. Ah, oui. Oui, c'est la Belle et la Bête, puisque regarde, elle est là, la Belle et la Bête. Donc ça, je l'ai pris vraiment pour maman. C'est dommage qu'on n'a pas la Bête pour l'instant. Ah, pour l'instant, peut-être qu'elle est dedans. À toi! Ceci, c'est un Action Man, je crois. Ah oui, ça, c'est un Action Man, donc ça, je ne les collectionne pas. Donc ça ira dans le bac d'échange ou de vente, je ferai un halo. Ah, du Disney, le Capitaine Crochet. Alors ça, je crois qu'on l'a déjà. Non, mais on c'est... l'a pas. Si, je crois qu'on l'a déjà. Maman l'a déjà. Et il me semble que c'est coté et recherché, ce truc-là. Alors, en dessous, vous avez un tampon. Enfin, je pense que c'est un tampon, vous voyez. Hop. Et la date, c'est du 1999 pour McDonald's. Voilà. Donc, pas négligeable. Ensuite, Adam Gamer, qu'est-ce que t'as pris? Captain America. Captain America. Bah lui, il a l'air avec ton Thor. Pareil, ça doit être du... Ouais, c'est la même chose. Mais il n'y a pas marqué l'année. Mais c'est exactement la même chose, donc je pense que c'est du Maxi Kinder. Tiens, je peux le prendre. Ensuite, moi, je prends la grosse qui est là. Hop, une mini. Voilà, une petite... Enfin, une grosse figurine mini avec sa petite robe. Pardon ? Qui sera pour chute, on ne l'appelle pas. Oui, ça sera pour maman, tout à fait. Alors, là, vous voyez... je ne sais pas si vous voyez bien, d'ailleurs. Hop. C'est du... Il n'y a pas l'année. MC Toys... Mais il n'y a pas l'année. Bon, bref, on s'en fiche, c'est pas très grave. En tout cas, une petite mini, je sais que ma femme adore ça, donc ça tombe bien. Ensuite, à toi. Ah oui, ça c'est moi qui ai trouvé. Je l'ai rajouté dedans. On a Flèche. Il me semble qu'on l'a déjà. C'est pas celui-là qu'on a là-bas? C'est le même, hein? C'est le même. Voilà, je prends. Et là, tu l'as pour toi. Tiens, c'est pour toi. Ensuite, moi je reprends encore une mini. Voilà, vous entendez mon chat aussi qui miaule. Harley, viens. Ouais. Regarde, on fait un film. Viens, viens montrer la caméra. Après, je vais prendre un truc, je crois. Donc, qu'on a déjà. Encore une figurine, pareil, c'est la même chose, je pense. Ouais, il n'y a rien de marqué au niveau de l'année. Donc, une deuxième mini pour ma femme. Ça, on l'a déjà, du coup, bah, je vais le prendre. Ah, ouais, fais voir. Je l'ai pris pour maman. Yako. On l'a déjà. Ouais, bah si on l'a déjà, effectivement. Ça sert à rien. C'est du Disney et c'est pas marqué l'année. Bon, bah, tu peux le prendre si tu veux. Je parie que c'est du Hot Wheels. Ensuite, je vais prendre ces deux parce que c'est de même. On a du. Madagascar. Pingouin de Madagascar. Ah, je crois que c'était une lampe, mais non, en fait, c'est une boule, comme une boule de souris à l'époque. Alors, je sais pas, ça doit être... Ouais, il doit rouler, voilà. Et lui, je sais pas ce qu'il fait. Il a sa tête qui tourne, donc il doit faire un truc, je sais pas. Voilà, deux petites figurines. Ah, bah si, la boule dans le dos, voilà. Il y en a une sur le ventre et une sur le dos. Donc, il y en a un qui glisse sur le dos, voilà. Un qui glisse sur le dos, un qui glisse sur le ventre. Voilà. Donc, deux petites figurines, voilà. Ensuite, ah, Adam Gamer a trouvé du mignon. Tu l'avais déjà? Non, c'est très mignon. Il n'y en a plus, hein? Ouais. Voilà, donc t'es content, monsieur, je l'ai vu, j'ai pris ça pour toi. Ensuite, ça, je crois, si je me trompe pas, que c'est du Pokémon, non? Ouais, c'est Rayquaza, un Pokémon légendaire. Ok, bah ça, tu peux le prendre, parce que moi, ça m'intéresse pas du tout, je collectionne pas les Pokémon. Je suis en train de regarder si je trouve une date. Pendant ce temps-là, Adam Gamer va piocher une figurine. Ah, c'est du Melon Pat! 2016 pour McDonald's, ça, si. T'as trouvé du Melon Pat? Ça, c'est du...
Ah oui, je l'ai vu, c'est moi qui l'ai pris. McDo, il vient du Vietnam. Vietnam. Et on n'a pas la date. Il n'y a pas la date. Ah. Elle n'a pas la date de création. Voilà. Et logiquement, est-ce que ça fonctionne encore? Ah oui, il fonctionne encore. Parce qu'en général, ces joueurs, quand on les remonte, ils ne fonctionnent plus. Je vois qu'Adam Gamer est en train de loucher dans le bac pour viser des figurines à l'avance. Allez, prends de l'Action Man. Voilà. Ça, c'est du Action Man. Pareil, ça ne m'intéresse pas, je ne garde pas. Mais c'était dans la boîte, donc j'ai laissé. Je n'avais pas envie de tout trier. Ouvertement, j'ai dit à la dame, je vous prends la boîte, dites-moi le prix. Elle me l'a pris, elle me l'a donné. Oh, c'est beau ça. Peter Pan, c'est du McDo ça, non? Parce qu'il y a une loupe. T'as vu qu'il y a une loupe là-arrière? Ouais. Ah, vas-y, regarde. Une loupe. Ça fait quoi? Ah, ça fait une image. Fais voir. Ah oui, il y a une image de Peter Pan et Wendy. Ouais, non, Peter Pan et l'enfant volant. Alors, je sais que vous n'allez pas voir, vous. Je vous montre. Adam, arrête de tricher. Chipper, arrête de chipper. Alors, ça, c'était du Disney, mais il n'y a pas la date de marquer dessus. Voilà, donc... Non, c'est à moi. Ça, alors, ça, je croyais que c'était Chips, la série de mon enfance. Mais à mon avis, c'est rien du tout de tout ça. C'est un truc de nul que je vais jeter à la poubelle. Effectivement, enfin, je vais mettre ça... dans un bac en vente, en don, peu importe. Oh, voilà. À toi. J'en ai vu un. Vas-y. Ça, c'est du McDo. Ah oui, il est beau celui-là. C'est une ancienne mascotte avec grimace. Ah oui, ça, je suis avec bien content. Ça, c'est des trucs que je cherche. Donc, vous voyez, c'est pour ce genre de figurines que j'achète les bacs comme ça. Et il fonctionne encore. Il fonctionne encore. Et il date de. T'as pas regardé la date? 1972. Non. C'est cher. 1993. Ça, c'était vraiment des belles figurines. Alors, qu'est-ce que t'as pris? Ah, oui, bah ça, on montrera à la fin. Ensuite, à moi. À toi. Ah, encore une figurine nulle. Mmh. Voilà, ça, c'est pour la poubelle ou pour un bac avec plein de figurines que je donnerai. Mowgli? Ah non, c'est pas Mowgli. Enfin, si, c'est Mowgli dans Tarzan. Alors, vous avez là le singe, je sais plus son nom, et vous avez Mowgli, effectivement, qui est ici, qui donc est attaché par une corde. Et puis, alors, donc, je pense que celle-ci est de marché. Ça, je crois que c'est le père de Tarzan. Ah oui, ça fonctionne encore, nickel. Voilà, à moi. Alors après, je sais qu'il y a beaucoup de figurines dans le fond qui sont nulles. Genre, par exemple, ça. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi. On pourra faire des échanges. Moi, ce genre de figurines ne m'intéresse pas du tout. Je cherche uniquement les figurines à licence. Qu'est-ce que... Ah, bah tu vois, tu en parlais tout à l'heure. Tu disais, c'est dommage. Il y a un truc derrière. On a la belle, mais on n'a pas la bête. Bah si, belle, elle est là. Ah, la bête. Bête, elle est là. Eh ben, ouais, il y a un truc derrière. Je pense que tu dois appuyer dessus, tu dois faire quelque chose. Voilà, regarde, il est là. Oh, t'appuies, il est un petit peu abîmé. Et donc on a la belle et la bête. Voilà. Bon, par contre, ce qui est dommage, c'est que la bête, elle a son visage qui est forcément incliné. Donc, et ça, c'est quoi? C'est de quand? C'est du McDo, non? McDo 1998. Voilà. Un truc qui pourrait t'intéresser. Ah, moi j'ai encore chopé un cheval. Voilà, ça en fait deux des chevaux. Donc, pareil, si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas dans les commentaires. Ouais, mais ça peut t'intéresser. Ah oui, ça m'intéresse. C'est du Kinder, ça je le collectionne. En plus, c'est un Kinder qui porte des Kinder, donc c'est cool. Celui-là, j'avais pas. Au moins, c'est que sur Kinder. Hein. Ensuite, à moi. Pardon, je croyais que c'était à toi. Oh, on a du 101 Dalmatien. 101 Dalmatien. Ah, ça, ma femme va être contente, elle adore moi, ça. Moi, j'ai la couronne, moi. J'ai celui avec la couronne. Et il date, il n'y a pas de date. Non, juste marqué Disney. Bon, voilà. En tout cas, hop. Un de plus. À toi. Oh, j'ai vu un truc très intéressant. Chevalier. Ah, un truc nul, toi. Oui. Alors, toi, t'as un truc nul. Voilà, ça, c'est ce que Adam a eu. Moi, j'ai un truc nul. Moi, par contre... Oh, Ronald McDonald. Ronald McDonald. Eh oui. Et lui, logiquement... Voilà. En fait, tu faisais ça plusieurs fois, et après, il roulait vite. Ah, voilà, ça, c'est cool. Alors là, je vais vous dire, la personne qui a jeté ça, c'est dommage pour elle. 1995, que j'ai eu tout ça dans une ressourcerie. Hein. Voilà, 1995, ça, c'est génial. Ça... Alors, je vais essayer de... Dézoomer un petit peu, voilà. Ça et ça, c'est top. Ensuite, t'as eu quoi? Vous aimez les mariages? Vous aimez Aladdin? Voici la figurine parfaite pour un mariage. Ah oui, le génie d'Aladdin pour un mariage. Excellent, maman va être contente. Alors pareil, c'est du Disney, c'est sûr. Hein. Et j'ai pas l'année. Voilà, y a jamais l'année. Ah, c'est bizarre qu'il y ait pas l'année marquée dessus. Voilà. Ensuite, à moi. Au hasard, alors je sens qu'il y a beaucoup de figurines nulles. Voilà, on l'a une, encore un cheval. Voilà. Action Man. Ah, un petit Action Man, effectivement. Alors, si vous aimez les mini-figurines Action Man, n'hésitez pas, hein. Moi, je les garde pas. On pourra faire des échanges. Ah, encore un cheval. C'est le même, je crois. Ouais. Je vais pouvoir monter une écurie. Ah, t'es un Indien, mais toi, je pense que t'es peut-être un Indien Disney, ça, non? C'est pas un Indien Disney, ça? Non. Non, c'est nul. Ok, bah, c'est à moi. Oh, j'ai eu un truc intéressant. Ah, encore un Action Man. M'intéresse pas. J'aime ça. Ah, oui, maman va être contente.
Encore un 100 dalmatien. Hop. Ensuite, à moi. Je pense qu'il y a beaucoup de Hercule maintenant, non? Ah, cool, Hercule! T'as dit... Tu disais... Mais j'ai déjà. Je peux le prendre? Ouais, j'ai déjà celui-là. Déjà. Je crois qu'on l'a déjà, celui-là. Hercule, Disney, Vietnam, il n'y a pas l'année. Ah, bah alors deux fois. Bah c'est cool. Hop. Hop. On en a deux. Arrête de regarder, c'est le plaisir du hasard. Ah, lui, okay. Par contre, je suis pas sûr que... Ouais, celui-là fonctionne pas. Celui-là fonctionne, celui-là non. Bah du coup, je prends l'autre. C'est le dimanche, hein. Hop. Encore un cheval. Ouais. Youpi, on adore. Ah bah non, des chevaux, il y en a beaucoup, hein. Ouais, youpi. Je sais pas si ça vaut quelque chose. Mais ils sont lourds, hein. On ah, a un oui. Cheval Lego. Oui, ça, je l'ai pris volontairement parce que je savais que c'était du Lego. Voilà, encore un cheval Lego. Faut dire que j'avais pas du tout des chevaux Lego, hein. Mais celui-là, j'avais pas. Faut dire que celui-là, tu j'avais rigoles, pas. Tu jettes tous les chevaux Lego qu'on tous a. Les chevaux. Un cheval, des chevaux. Non, je ne jette pas, je garde tout. Je ne jette. Alors là, le jour où jetterai un Lego, mon gaillard, tu peux te lever de bonheur. Hein. Ah, ça c'est quoi? Ah, je connaissais pas la planète au trésor ou un truc comme ça, ça? Il me semble. Ah, attendez. McDonald's. Tarzan. Pardon, c'est du Tarzan. Et, petite molette. Arrête de fouiller, t'as déjà pris un. Je t'ai vu. Ah bah ça fonctionne. Voilà, la roue arrière fonctionne, nickel. Voilà, du Tarzan. Donc ça va aller avec ceci. Voilà. Ensuite, t'as pris quoi? C'est une belle écurie, mais il manque les cavaliers. Tu crois que ça va sur le cheval? Ouais, je crois. Regarde. Ah ouais. Ah oui, effectivement, ça va dessus. Nickel. Bah écoute, on va faire un truc avec ça. On va essayer de trouver, faire un échange. Ah, un petit bonhomme. Qu'on s'en fout. À toi, Adam. Moi, j'ai mis... Ah, mais il y a un truc qui m'intéresse. Ça t'intéresse, ça? Non, pas ça. Ah. J'ai vu un truc qui m'intéresse. J'ai fait bouger c'est votre écran. Oh, oh, c'est ça qui t'intéresse? Non. Ah bah moi, ça m'intéresse. Tu l'as déjà? Non, je l'avais pas. Attends, montre-moi. Montre-moi. Non, je l'avais pas. Ah bah tu peux le prendre. Rex. Non, je vais donner à maman. Si tu veux. J'aime Rex. Pas ce dinosaure. Je voudrais être horrifique, mais je suis soporifique. La commode de Henri Guibé. Excellent. Oh non. Franchement, c'est cool. À toi. Je me sens... Oh, ah, un jouet nul Kinder. Ça, c'est nul, nul, nul. J'avais vu ça, je crois que c'était oui, oui. À moi. Ah bah, j'en ai deux, je vais prendre celui-là, qui est plus grand. Oh, encore un cheval, mais un différent. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu de chevaux. Oh, octopus. Ah, on l'a en grand. Ouais. On l'a en grand là-haut, et là, on l'a en petit. Ah oui, on va garder, par contre. Alors ça, par contre, ça date de quand? De 1980. Oh, il est lourd, en plus. Hein. Il est vachement lourd. 1989. Écoute, 1994. Mais c'est bizarre, c'est vachement lourd. Ben c'est en plomb ou en fer, je sais pas quoi. Bon, bah, je suis bien content de l'avoir trouvé. Au début, j'ai cru que c'était un Action Man. Ah non, non, c'est Docteur Octopus. Alors, ça c'est... J'en ai deux, je crois. Non, j'en ai qu'un. Oh, du Disney. Du Disney, du Disney, du Disney. Je sais plus qui c'est, pourtant je le connais. Attends. C'est pas du Pocahontas? Je crois que c'est ça. Moi j'ai un Pocahontas, parce que le carlin, le chien là, me parle. Je crois que c'est du Pocahontas. Alors, je vais regarder ça tout de suite. Disney China, je sais pas. C'est pas marqué. Je crois que c'est Pocahontas. Oh. C'est le méchant, je crois, dans Pocahontas, non? Avec le petit chien? Non? Je sais plus. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Ah, Ardent Gamer, qu'est-ce que t'as chopé? J'en ai là. T'as bien. Ah, cool, j'avais pas celui-là. Regarde, Rhinocéros, un homme qui crie. Eh oui, c'est les Lego double face. J'adore ça. J'adore ces trucs-là. Ah, c'est des Lego? Donc là, c'est Kinder, pardon, c'est un Kinder. C'est du Kinder double face. Donc là, c'est un rhinocéros, effectivement, tu as raison. Et là, hop, c'est un petit bonhomme. C'est génial, j'adore ça. C'est pour ce genre de truc que je prends ces bacs. Je prends ce Action Man. Un petit soldat qu'on en s'en fout, mais qu'il va apparemment sur un... Oui, il va sur les chevaux, exact. Oh, Snoopy sur un cheval. Ah oui, tu as du Snoopy. Il est beau en plus. C'est le oh. Snoopy qu'on a. Il est beau celui-là. Il date de quand? Alors... Snoopy, c'est du McDo à tous les coups. 1990. McDo, effectivement, 1999. À moi. Il y en a encore beaucoup? Oh, il y en a encore une petite dizaine, je pense. Mais ah. Là, ça va être une merdouille. Un cochon. Un cochon, un cochon. Un cochon oh de rien. Oh non! Ah, t'as quelque chose de nul aussi? Un Playmobil. Ah, t'as un Playmobil. Ouais, ça se peut qu'il en ait des Playmobil. Playmobil. Ça, c'est nul. En avant, mon caca. Ah! Un petit cheval différent des autres. Ouais. À toi, Adam. Il est bizarre. Lui, il va sur un cheval. Ah, encore un chevalier qui va aller directement sur sa monture. Hop, voilà. Il y a un truc, hein, voilà. Ah, un petit Kinder, mais je l'avais pas, celui-là. Donc ça, c'est cool. Un équilibriste, à toi. Ah,
facochère. C'est pas un facochère. C'est Pumba. Ah si, c'est Pumba, mon petit. Je t'ai bien dû. Tu m'as bien dû. Non, tu m'as bien eu. Je t'ai bien eu. Est-ce qu'il y a quelque chose de marqué? Disney, effectivement, mais il n'y a rien de marqué autre que ça. D'ailleurs, si vous êtes, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Jimmy, les trouvailles de Jimmy, allez voir, il a rentré une petite caisse de 48 figurines Kinder, pas Kinder, Disney. Je peux vous dire que franchement, dedans, il y en a des belles. Bon, par contre, comme il le dit dans sa vidéo, il y a des figurines qui ont morflé. Mais il a des superbes figurines. Il a eu Pinocchio, que ma femme adore. Il a eu Ariel, la petite sirène, que Ghostplayer, alors je vous affiche ici aussi, adore. Il a eu Hercule, que moi j'adore. Bref, il a eu vraiment des belles figurines. À toi dans Gamer. Bon, ça c'est nul par contre. Et franchement, merci pour les 1000 abonnés. Ah oui, merci, merci. Ah, c'est quoi ça? Ça, je connais. Je connais, mais alors de où? Qu'est-ce qu'il y a de marqué? Il n'y a rien de marqué dessus, mais je connais. Attends, à moi. T'as triché. Mmh. Si, t'as triché. Ah, un petit personnage. Hein? C'était déjà le truc que j'avais fait. Écoute, c'est du Made in China. C'est pas marqué Disney. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je crois que c'était Narnia, mais apparemment non. À toi. C'est pas dans ton dessin animé là, tous en scène? Scholar. C'est marqué derrière. À quoi? Et puis c'est pas tous en scène. Scholar. Ah, c'est des figurines scolaires. Dites-moi ce que c'est si vous savez en commentaire, parce que là je ne sais pas du tout. Je sèche. Ok. Il reste une dizaine. Allez, je prends celui-là parce que c'est. J'en prends deux qui sont nuls. Comme ça, je les débarrasse. Deux. Caca. Plimbill. Nous, on est Team Lego, pas Plimbill. Oh. Ah, un petit. Ah, c'est Aladdin. Un petit requin. C'est génie. Un petit requin. Regarde avec cette petite coupe. Et je crois que j'avais pas celui-là. C'est un Aladdin. Ouais, je crois que j'avais pas celui-là. Ça, c'est cool. Ensuite, hop, celui-là qui est nul. C'est pas du Lucky Luke, c'est de la cacale. Toi, pareil. C'est de la caca. C'est nul. Voilà, voilà. On prend l'enfant. Vas-y. Qu'est-ce qu'il reste? Un pingouin moche. Il nous reste un bonhomme dégueulasse. Un lion, une épée, un chevalier. Un lion. Voilà. Un indien, je crois. Un chevalier. Bon, non, ça c'est intéressant. C'est des figurines Kinder de l'époque. Bon, on sort la grosse artillerie lourde. Et une épée que je ne sais pas d'où elle vient. Attends, tu ne devais pas dire. Une épée, tu devais dire l'épée. Et ensuite, on a une petite surprise, une petite figurine à vous montrer. Elle est vraiment petite. Vas-y, pose-la là. Vas-y, on va faire la place. Oui, parce que elle est quand même toute petite, la figurine. Ta-da. Voilà, on a juste trouvé ceci. Alors, je vais essayer de la mettre debout et de vous la montrer. Voilà, voilà, voilà. Aussi, ah, elle a un petit attention, il y a Adam Gamer qui se lève, forcément. J'essaie de pas montrer ton visage. Hop! Alors, vous verrez qu'il n'a pas de cou. Alors, montre pourquoi il n'y a pas de cou, Adam Gamer. Je filme juste la tête, vas-y. Parce qu'en fait... Voilà, il manque un bout sous la tête. Voilà, si vous regardez bien. Voilà. Là, il manque quelque chose, je pense. Tu veux dévisser sa tête? Eh ouais. Donc, du coup... Hop! Mais bon, ouvertement, pour le prix de 5 euros. Bon, ok, il y a du marqueur ici, là, sur sa zigounette aussi. Oh, quelqu'un qui a peint quelque chose. Mais pour mettre en déco, je trouve que c'est vraiment pas mal. 5 euros. Donc 5 euros la grande figurine. Et il y a encore autre chose. Est-ce que tu peux me ramener, s'il te plaît, tu peux faire le tour, me pousser le gros sac qui est là. Parce que dans ce gros sac, logiquement, il y a quelque chose. Que j'ai aimé? Oui. Si je vous dis ça. Ah, c'est Woody. Attends. Eh ben oui. Non, tu l'as eu? On a trouvé Woody. Avec son étiquette pas coupée. Spider-Man, c'est moi. Par contre, maintenant. Il n'a pas la vraie ficelle. Moi, j'en ai un avec une vraie ficelle. Enfin, j'en avais un avec une vraie ficelle. Je sais pas où il est. Mais en tout cas, là, trouver Woody dans cet état-là, tout neuf, alors qui date de quand? Alors, est-ce que c'est de l'officiel déjà? Disney Pixar, donc c'est de l'officiel. Et en plus, c'est un Spider-Man, regardez. Spider-Man a un chapeau. Alors, Disney Pixar. Il n'a pas marqué l'année. Regardez, Spider-Man, il a un chapeau. Ah oui. Il a volé le chapeau de Woody. Il y a Spider-Man qui a volé le chapeau de Woody. Donc voilà, j'ai chopé effectivement. Est-ce que le chapeau, il va avec? Oui, c'est son chapeau à lui. Ah, cool. Ah oui, en fait, je cherchais dans le bac, enfin dans le bac d'autres choses que j'ai achetées, et je vois ça dans un autre bac. Et je dis à ton... Du grabuge dans la prairie, je suis votre shérif. Il parle en français. Ouais. En selle et partons à l'aventure. On le vend.
quand on appuie sur le ventre, c'était où? Là. À cheval, cow-boy. Ouais, excellent. Et en plus, il parle en français, génial. Donc, je vois dans un bac comme ça qui traîne. Et je dis à Alexandre, donc mon grand garçon, t'as vu, il vous dit, va le prendre. Il le prend, il le ramène. Je fais, par contre, c'est dommage qu'il n'ait pas de son chapeau. T'as regardé la caisse, il y a son chapeau. Il regarde, et là, on trouve le chapeau. Voilà. Donc, il est complet. Et en plus, il parle en français. Cette ville n'est pas assez grande pour nous deux. Alors, allez, sur ce, je vais vous laisser. Mais avant de vous laisser, je vais vous faire un petit spoil de ce que je vais vous présenter la prochaine fois. Je sais pas si vous pouvez voir, mais bon, il y en a quand même pas mal. Et le prix ? Ouais. Alors, le prix, sachant que j'ai payé en tout, mais quand je dis en tout, j'ai acheté aussi une lampe à 2 euros. Le Spider-Man, donc 5 euros. Mais en tout, tout ce que j'ai acheté, donc ce que je viens de vous montrer, le gros sac de Lego qui est très lourd, la figurine Woody, toutes les figurines qui sont là, la figurine Spider-Man et... la lampe, 35 euros. Il y a aussi du ici. Ouais, c'est pas grave. 35 euros. Sachant que les Lego, il y en a pour un bon 15-20 euros de Lego. Je trouve vraiment que c'est vraiment pas cher payé. Quand vous voyez le Woody. Ah, le shérif Woody et son adjoint ont sauvé la situation. Qui parle français, qui est tout neuf. Mais franchement, il est vraiment... À part la petite écriture qui est là, que je vais essayer de revoir. Petite saleté qui est là. Ouais, là, au menton, et là. Il y a trois petits trucs. T'as vérifié sur la boîte s'il y a marqué Andy? Ah, attends. Non, bah non, c'est des bottes en mousse. Ouais. Donc là, il y a rien de marqué. Ils auraient peut-être mieux payé. Mais peut-être que ce chapeau-là, il reste sur l'autre qu'on a déjà. J'ai pas oublié l'autre. Ah, l'autre, je l'ai. Ouais. Tu sais où il est? Ouais. Vas-y, va chercher. Ramène. Va chercher l'autre. Comme ça, en même temps, je continue à parler à mes abonnés. Donc, ouais, 35 euros pour le tout. Ouvertement, si vous enlevez les 20 euros de Lego, 15 euros pour les figurines, la lampe, le grand Spider-Man. Franchement, c'est pas cher payé. Voilà. Je crois que j'en ai eu pour 5 euros le Spider-Man, donc 10 euros le gros lot que vous voyez là. C'est vraiment pas cher. Ouvertement. Bon, j'avais dit aussi que j'achèterais beaucoup moins parce que j'ai plus beaucoup de place. D'ailleurs, je vais vous montrer tout ce qui est là. Ça va partir à la vente parce que j'ai plus de place. Donc il faut que je me sépare. La lampe, non. La lampe, je la garde. Mais le corps humain, les BD, les DVD, pas les puzzles. Les puzzles, je garde. Mes livres, tout ça, je vais dégager parce que j'ai plus de place. Et. Il faut que je fasse de la place. Ah, voilà l'autre Woody, fais voir. Grand jouet sur le campus. Ah, il parle aussi en français, lui. Alors lui, j'avais acheté envie de grenier et j'avais payé... Ouais, non, le chapeau est trop grand. Il est un tout petit peu trop grand, c'est dommage, hein. Non, c'est vraiment son chapeau, lui. Hein. Allez, un petit coup d'art. Mais là, effectivement, celui-là, vous voyez, il a le... Salut. On peut pas tirer plus. Un Spider-Man et mais un... franchement, bien content. Donc Adam Gamer vient de péter une figurine pop à tous les coups. Hein. Ah. Tu sais que t'es gauche, attention, tu sais que tu prends des risques. Tu mets les trucs en hauteur, ça va tomber, ça va casser, c'est dommage. On vient juste de la voir. Elle est même pas cassée. Non, elle est pas cassée, elle était égratignée. Bref, ne mets pas ça sur la tête de Spider-Man, c'est tout, okay. Logique. Après, ce ne sont que des jouets, donc tu peux jouer avec. Donc voilà ce qu'on a rentré aujourd'hui en termes de figurines. Je pense qu'effectivement, dites-moi si j'ai fait une bonne affaire ou pas, 10 euros le lot. Donc ouais, je crois que c'est 10 euros à peu près. Moi, je trouve que c'est une bonne affaire, surtout pour avoir trouvé ce fameux Woody. Bon travail, parle français. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à plus tard. Ciao.